Bonjour à tous, c'est l'ami, c'est Chris, et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, numéro 46 et 47 de la voiture de Starsky Hutch. Pensez à vous abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo et à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de construction. Le lien est dans la description. Note 46, le montage de la carte électronique partie 3. Note pas à pas, notre résultat fini. L'épisode 23 de la saison 2, une mélodie fatale. La Ford Falcon de 1973, une mousquetaire australienne qui est vraiment pas mal aussi celle-là. Note 47. Carte électronique partie 4. On voit les pièces de notre numéro 48. Notre pas à pas et notre résultat fini. L'épisode 24 de la saison 2. Une vedette maudite, le clown. La Studebaker Golden Hawk de 1957. Un muscle avant l'heure. C'est vrai qu'elle est un peu spéciale celle-là. Et on est parti! Note numéro 46, on récupère déjà notre câble marqué G. On vient le mettre à l'emplacement G. Donc juste ici, comme ceci. On récupère ensuite notre câble marqué I. On vient le brancher lui, hop, en bas à droite, ici. On s'occupe ensuite du H. Alors, le H, lui, vient se brancher en haut dans le coin par ici. Alors, t'en allumes sur le blanc. On voit que nos anti-brouillards, qu'on a branché tout à l'heure, marqué I, s'allument tous les quatre. Et nos feux avant également. Je vais donner un petit peu que vous voyez mieux les phares. Voilà. Ça va vraiment bien donner. Et donc c'est tout pour ce numéro 46. On commence par prendre notre câble marqué J. On vient le brancher sur le dernier emplacement qui nous reste en bas. On prend ensuite lui marqué K. Celui-là, on vient le brancher juste au milieu ici. On vient ensuite appuyer sur le câble blanc et blanc, donc le marqué B. On voit que tout s'allume, même notre éclairage de tableau de bord. Tous nos phares, nos anti-brouillards, nos feux arrière, tout s'allume. Avec ce numéro, on avait également deux cales. Donc beaucoup pensent que ça ne sert à rien ces cales, mais si, ça permet de soulever votre voiture pour pas que vos roues n'appuient contre le sol. Et quand il y aura tout le poids après de la voiture avec la carrosserie et tout, c'est comme une vraie voiture, si les pneus sont à plat, il s'écrase et après c'est foutu. Donc là, ça vous permet de conserver vos pneus. Et donc c'est tout pour ce numéro 47. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans l'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!